J'ai à peine un soir. Et si, je viens bien le kido. Et qu'est-ce que maman Lydia Bella maintenant, ces femmes de Goma? Une nouvelle danse, un beau spectacle. Vous serez très content. Vous venez avec quel message? Parce que vous savez, vous êtes dans une province, c'est tout matière avec plusieurs. Un message de paix. En tout cas, l'année 2019, ce soit l'année de paix, solidarité, amour entre nous les Congolais. L'amour, quand il y a l'amour, tout marche à merveille. Le reste, c'est en conférence de presse. Merci, merci. Je vous aime. Bien sûr que vous savez, s'il y a l'insécurité à l'Est, l'Est, c'est une partie du Congo démocratique, c'est-à-dire l'Est, Ouest, Nord, Centre, c'est le Congo démocratique. Ne croyez pas que s'il y a le problème ici à l'Est, que nous, au centre là-bas, on est tranquille. Non. Parce que nous, les artistes, moi, étant qu'artiste, étant que mère, souvent les femmes sont victimes. Vous voyez? Alors, comme les femmes sont victimes, moi, mon souci, c'est quoi? C'est que la conscience, tous les Congolais soient vraiment conscients d'aimer son prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Ça vient de nous-mêmes, ça ne vient pas de l'étranger. Un étranger, c'est un étranger. Toi, tu es Congolais, tant que Congolais. Pourquoi tu fais du mal à ton prochain? Ton frère Congolais, vous avez du même sang. Ça vient de nous-mêmes. Il faut qu'on soit conscience que ça nous interpelle, qu'il ne faut pas faire du mal à ton prochain. C'est ça, en fait. Même la salubrité publique et tout ça, ça vient de nous-mêmes. C'est une question de discipline. Quand tu es discipliné, tu feras pas du mal à ton prochain. Quand tu es discipliné, tu ne jetteras pas les immondices n'importe où. Ça vient de nous-mêmes. Il est temps qu'on puisse y changer. Changer la mentalité. Changer les mauvaises habitudes. Aimer ton prochain. Dieu est amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui feras pas du mal. Si il y a l'amour, même dans le foyer, si il y a l'amour, il y a la solidarité, tout peut marcher à merveille. S'il n'y a pas d'amour, rien ne peut marcher. Chaque fois que vous dites que vous donnez les... Il y a toujours des prétextes, les faux fouillards, et les étrangers, les occidentaux, et nous-mêmes, les enfants, les fils et les filles du pays, entre nous, est-ce qu'on s'aime? C'est ça le problème, c'est ça en fait. Il faut vous poser des questions entre vous. Est-ce que vous vous entraidez entre vous? Non. Est-ce que vous vous aimez entre vous? Non. Vous faites du mal, on s'est fait du mal nous-mêmes. Il faut pas chercher, on dit quoi en français, chercher le, si tu veux, tuer ton chat, ton chien. On l'accuse de rage. Oui, il faut pas accuser les autres. Il faut voir nous-mêmes, entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est tenté de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Il faut le faire maintenant. Il est temps qu'on puisse y changer. Il est temps qu'on puisse s'aimer entre nous. Il est temps qu'on puisse être solidaire, social. Aidez-nous. Il faut s'entraider, il faut se serrer les coudes pour pouvoir aller plus loin. L'avenir de nos enfants. C'est ça. C'est pas les étrangers qui viendront nous aider. Non. C'est à nous de commencer. Madame Sans, est-ce que c'est dans ce même angle? Est-ce qu'on sait qu'on est déjà dans un nouveau régime? Écoutez, j'ai déjà interprété une chanson en soi, une chanson de paix. Africa Leo, je amen. Tu as déjà entendu la chanson, non? Oui. Voilà. Dans ce même angle, madame, on sait qu'on est dans un nouveau régime. Mm-hmm. Est-ce que on peut dire côté politique, la politique actuelle du pays, ça vous facilite ce pouvoir de travailler quand vous essayez un peu de comparer avec l'ancien? En tout cas, moi je ne suis pas vraiment, je suis désolé. La politique, je suis nul. Voilà. Mais je dirais ceci, le Congolais ne facilite pas la tâche aux dirigeants. C'est-à-dire la mentalité congolaise est très difficile, très compliquée. En province, ça va un peu, mais à la capitale, c'est difficile. Diriger le Congo démocratique, ce n'est pas une chose simple. Quelqu'un m'avait dit, un journaliste français m'a dit, oh, écoutez Mbilabé, vous n'êtes que 80 millions, et la Chine, on n'a pas la même culture, hein?
Les Asiatiques sont plus disciplinés que nous. Vous voyez, nous, on ne facilite pas la tâche, les dirigeants. C'est pourquoi il est temps qu'on puisse changer. Il faut donner aussi la chance aux dirigeants, il faut les donner, il faut les faciliter pour pouvoir diriger le pays comme il faut. C'est notre faute. Hein? On doit changer, il faut faire les jeunes. Il faut changer, essayer de changer un jour, changer la mentalité. Hein? Il faut vraiment changer la mentalité, c'est très important. Moi, je pense que si on change la mentalité, ça ira mieux. Et l'amour avec amour et la discipline. Si... Aimons-nous mutuellement. Aimons-nous mutuellement. La maman. Pas sans amour. Rien ne peut aller. Ouais, ma question, c'était par rapport à savoir, aujourd'hui, maman Bilabel est là, on continue avec les actions, parce qu'il y a ceux qui pensaient qu'avant on faisait les actions peut-être pour préparer la politique. Vous voulez savoir pourquoi avoir fait ces choix? Parce que maman Bilabel, c'est pas n'importe qui. C'est une façon pour moi d'exposer au reste du monde ce qui se passe chez nous, à intéresser le reste du monde de s'intéresser de nous, de s'intéresser de Goma. Maman Bilabel, pour ces deux jours, et la suite, elle va porter l'image de Goma, elle va être notre ambassadrice. Je vais l'amener au cas quand Virunga, quand des militaires là, quand Mounzenze, pour montrer comment est-ce que ces veuves vivent. Peut-être pas en passant par maman Bilabel, elle va comprendre ce que nous on avait comme mal sur le cœur et qu'elle, elle va exposer ça au reste du monde et que le reste du monde va venir vers nous pour en fait trouver des bonnes solutions et de vraies. Merci, maman. Merci. Cette question est vraiment très importante parce que il y a tellement une vague de jeunes filles qui viennent, mais elles n'arrivent pas à évoluer correctement comme moi et ma consoeur Mama Tchala. Parce que nous, on a beaucoup travaillé. Moi, j'étais débutante chez Tantina Betty Masikini, paix à son âme, comme choriste. Et j'ai fait une formation de 4 ans, presque 5 ans. Ensuite, je suis passée auprès de Samangwana. J'ai eu une formation d'un an. Des formations d'abord. J'ai beaucoup appris. J'étais pas pressée de devenir star. Non, il faut apprendre. Ce qui manque des filles d'aujourd'hui, des jeunes filles d'aujourd'hui, elles ne veulent pas travailler. Elles veulent avoir tout. Du coup, et des conseils, surtout des conseils. Oh non, ah, vous êtes déjà des vieilles. On apprend qu'avec les vieilles. La sagesse, l'expérience. Elles ont besoin de nous. Parce qu'il y a des fois, quand tu donnes des conseils, ah non, non, ça m'intéresse pas. Moi, je suis jeune, je veux faire comme des jeunes. La base de la musique congolaise, c'est la rumba. C'est des racines. Par rapport à la rumba, cela n'empêche pas que tu diversifies un peu la musique, tous les rythmes. Moi, je ne chante pas seulement la rumba. Je chante aussi la salsa, R&B, le zouk. Je suis polyvalente. Alors, en ce moment, je suis en train de construire une école. Une école, j'ai une concession. Je suis en train de construire pour pouvoir aider les jeunes filles. Une école de formation, petit à petit. Si, j'espère que j'aurai le soutien de l'État congolais. Parce que c'est à l'intérêt du pays pour que les jeunes filles d'aujourd'hui deviennent des stars. Elles ont besoin de moi, l'expérience. Ma façon de faire. En plus, les jeunes filles d'aujourd'hui, il y a des fois, je les pose les questions. Est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que tu aimes ça passionnement? Aimer passionné, quand tu aimes la musique, c'est une passion, tu vas le faire correctement. Si tu as un don et du talent, tu vas le faire correctement. Si tu veux faire la musique pour apparaître, pour avoir des jolis garçons, ça c'est différent par rapport à moi et ma consoeur Tchala. Nous, on a beaucoup souffert, on a beaucoup travaillé. Travailler, on avait envie. Moi, par contre, auprès des tabous de Seigneur Lay, j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Je n'étais pas pressée. J'étais auprès des tablés pendant 6 ans, presque 7 ans. Donc, j'ai eu cette chance-là. Je peux dire que je suis, si Seigneur Lay était jusqu'aujourd'hui, il serait toujours fier de Bilabel. Je suis le meilleur produit de Seigneur Lay. Et jusqu'à là, j'ai continué à faire la fierté. J'ai tenu le flambeau du Congo démocratique, ça fait 38 ans. Vous n'étiez pas encore au berceau. C'est pourquoi j'ai dit que je ne dois pas baisser les bras. C'est un peu difficile, je continue à me battre. Et là, je tiens vraiment à aider beaucoup de jeunes filles. Ils ont besoin de moi.
je suis en train de faire une école bientôt, donc je vais mettre ça à... ça sera opérationnel. Merci maman. Autre question? Il n'y a pas une autre question comme ça? Merci, je suppose, Bagheni. D'abord, la connotation de, disons, la visée de l'activité, c'est Pyrema Social, aider le verbe. Mais avec le tarif, avec le prix, est-ce que tu le couches, vaut vraiment accéder à l'activité? C'est au producteur, je pense. Oui, okay. C'est au producteur. Voilà. Bon, je peux répondre directement. Directement, oui. Merci beaucoup pour ta question. Je ne sais pas si tu es au courant, vous êtes, messieurs, au courant du changement des prix. On a revu le prix à la baisse. C'était de 50, maintenant c'est 30. Vous n'étiez pas peut-être au courant. On a mis à 30 pour permettre à tout le monde de venir. Il y a des gens comme toi qui ont crié, qui ont dit c'est là. Mais aussi ce concert, c'est un concert VIP, c'est un concert dans un cadre caritatif, c'est un concert où on invite les VIP pour venir soutenir ceux qui ont des problèmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent facilement avoir les 30 dollars. Donc on a utilisé une grande image comme l'image de Mama pour attirer ces gens vers nous. Et vous savez, Mama c'est une grande marque, donc on ne peut pas non plus mettre un concert à 5 dollars. Sinon, vous n'aurez pas maman. Et c'est une marque qui marche, mais qui a toute une grande structure derrière elle. Elle a le souci d'aider, mais il y a des managers, il y a toute une équipe. Vous avez vu l'équipe qui vient d'arriver avec maman ici. C'est, tu vois, toutes ces filles, tous ces gens qui sont venus, ils ont besoin de se prendre en charge avec ça. C'est pour cela qu'on doit quand même peser tous les côtés, quoi. Merci beaucoup. Il n'y a pas une autre question, hein? Parce que moi aussi j'ai une question. Y a pas autre c'est chose, vrai, hein? Ok. Ouais, donc, on ne sait jamais. Maman, nous sommes honorés de vous avoir aujourd'hui à Goma. Merci beaucoup. Ça sera peut-être la première fois de vous voir en live. Ça sera un grand plaisir. Oh. Mais la question de savoir, on sait que très souvent vous entraînez votre fille aussi, Mélodie, dans la musique. Oui. Mais on a vu, vous vous déplacez avec deux dames et je vraiment vérifier, il n'y a pas Mélodie dedans. On se dit, est-ce que tu la protèges? Est-ce que tu ne sais pas l'afficher à chaque reprise? Et pourquoi le choix de deux filles au lieu de Mélodie qui est propre fille? Ah, d'accord. Mélodie, d'abord, quand je lui avais posé la question, elle m'a dit non, maman, j'ai fait la musique, je ne ferai pas la musique comme carrière. Okay. Elle est plus dans l'informatique. Okay. Ouais, elle ne veut plus faire la musique. Si elle souhaitait de le faire, je vais la soutenir, mais elle ne veut plus le faire. C'est son choix, elle a fait un choix. La dernière question, on sait que maman Biliabel, c'est certes, c'est une diva, c'est une femme de valeur qui a pris aussi de l'âge, même si elle apparaît plus jeune que son âge. Oui. Non seulement tu vas nous dire ton secret de rester toujours jeune, mais la dernière question, c'est que aussi la plupart de femmes ont tendance à vous reprocher et que vous êtes toujours trop sexy, malgré l'âge. Pourquoi demeurer trop bon, sexy? Bon, la première question c'était... Des secrets. Des secrets. Non, je fais un peu de sport. Okay. Là, déjà, le médecin m'a dit, je dois perdre 10 kilos. Parce que j'ai pris trop du poids. Par rapport à l'âge, vous savez, souvent, ils disent que oh, non, elle est déjà âgée, pourquoi elle fait le régime? C'est très important. Par rapport à vous, les jeunes. Mm-hmm. Nous, les vieilles, hein, vieilles jeunes, moi, je dis toujours, je suis vieille jeune. Le vrai jeune. Les vrais jeunes, il faut vraiment faire... D'abord, le sport, il faut respecter les produits, il faut respecter l'alimentation parce que quand tu manges trop le soir, ça fait tout ça, c'est pas bon. Le médecin m'a dit, il faut que j'évite d'avoir trop du poids parce que trop du poids, c'est pas bon. Avec l'âge, c'est mauvais. Alors, deuxième question, c'était pourquoi je m'habille... Toujours sexy, malgré l'âge. Ça, ce sont les mamans qui ont tendance à poser ça. Bon, alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 5 ans, j'étais en train de tourner un clip, hein, Les Vieilleries. C'était Pâques, ouais. Oh, da, da. Alors, c'était tout autour du rond-point Victoire. On a commencé le tournage à 8h30, 9h. Je mettais tout le temps les pannes. Alors, en dernière minute, j'étais obligée de porter une tenue, un jean rouge et un haut rouge, et j'ai mis la ceinture, la grosse ceinture et le botte. J'ai vu les deux réalisateurs, ils étaient tellement contents. Ils disent, oh maman, voilà, c'est ce qu'on attendait. Ça dit par rapport à le temps actuel, quand je vous dis que je veux mettre le pagne comme je mettais dans les années 82, ça marche plus.
C'est l'évolution, en fait. Okay. C'est-à-dire, modernité. Comme, oui, modernité. C'est comme mon aîné Papa Mbappé à son âme. Il avait tout le temps sa ceinture ici. Mais après, il était... Oui, c'est ça. C'est ça que la modernité et puis l'époque. À le temps actuel, quand tu fais... Moi, j'incarne toutes les générations. Je suis avec vous. Je suis avec mes aînés. Je suis avec les gens de ma génération. Et je dois incarner tout. Alors, quand je chante Galaxy, Galaxy, ce n'est pas la rumba. C'est la salsa. Si je m'habille en panne, en salsa, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas concorder. Oui, ça ne va pas concorder. C'est-à-dire, les mamans, soyez tranquilles. Je ne suis pas allumeuse. Je fais plaisir à toutes les générations. Donc, la musique, ça demande ça. Je peux m'habiller sexy, mais pas vulgaire. Merci. Ouais. Et quand je me balade, je fais les tournées, enfin, quand je fais la tour de la ville, même à Kinshasa, je m'habille correctement. Pour seulement peut-être moins de 5 minutes, question de nous parler de la fondation, mais aussi de ce projet de la Diva Ngoma. Producteur, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis de la presse. Bonjour. Ouais, pour parler de la fondation, tout d'abord, je pense que si vous êtes de Goma, ce n'est plus une fondation à présenter. Mais c'est toujours dans ce cadre-là, dans ce cadre par rapport aux visions de la fondation que nous avons fait appel à notre maman, la légende, la diva de la musique congolaise et africaine. On a dit, maman, on voulait accompagner les femmes veuves de militaires tombées au champ de bataille pour sauver l'honneur du Congo. Elle a accepté de venir, elle est venue. C'est comme ça que vous la voyez, elle est arrivée aujourd'hui. On va faire un concert, elle va livrer un concert demain soir à l'Inda Hotel. Et ce concert, comme on a dit, 50% de recettes de ce concert iront dans le cadre de soutenir ces femmes veuves. On va les visiter avec maman déjà le lendemain matin. Donc c'est dans ce cadre qu'on est ici. Il n'y a pas, je pense, grand chose à dire à part que vous signalez que maman est très en forme et très motivée, très décidé de se donner à son public demain. Donc, je rappelle au public de ne pas rater cette occasion. Un événement peut-être pour la première fois bien fait à Goma, parce que ça faisait très longtemps que maman ne s'était pas produit ici, à part le concert qu'elle avait livré au stade dans un concert populaire. Mais aujourd'hui, ça sera un concert VIP, un cadre VIP qu'elle va se livrer à son public. Donc, merci. Pour ne pas prendre trop de temps, je laisse la maman vous parler de ce qu'elle a prévu pour nous. De la surprise, peut-être. Bienvenue, Diva. Merci. Bonjour, amis de la presse. Bonjour. Ok, bon, je tiens d'abord à remercier Richard Bongagna pour la fondation. C'est grâce à lui que je suis parmi vous. Et je sais que je suis venu avec l'amour